Je m'appelle Malika, je suis auxiliaire de puériculture dans la ville de Créteil. J'ai commencé avec un CAP petite enfance. Je suis référente d'un groupe d'enfants. Je suis maître apprenti. La journée commence quand le parent arrive avec l'enfant. Donc le parent me fait les transmissions pour que je puisse prendre le relais, répondre aux besoins de cet enfant, ses besoins quotidiens, le repas, le sommeil, s'il est fatigué, je propose une petite sieste le matin. En fait, je suis le rythme de l'enfant. Quand il arrive le matin avec le parent, il nous tend les bras. Le gamin s'attache à nous et nous, on s'attache au petit aussi. Pour avoir un travail réussi, respect et tolérance, que ce soit pour l'enfant ou les familles. Je travaille à la ville de Créteil depuis 23 ans, depuis que j'ai commencé dans les crèches. L'avantage, c'est qu'on est écouté, on est entendu. On a des formations à longueur d'année où le personnel choisit ce qu'il veut. Il y a c'est des formations à thème, que ce soit auxiliaire ou éducatrice de jeunes enfants. L'évolution se fait tout au long de la carrière. La ville de Créteil propose aussi chaque année ce qu'on appelle la mobilité. Donc tous les mois de septembre, on remplit un formulaire pour le personnel qui veut bouger, changer de structure. C'est entendu et c'est très très bien suivi. Travail d'auxiliaire, moi je trouve que c'est un travail formidable. On crée une relation formidable avec l'enfant et le parent pendant ces 3 années que le petit passe en crèche. C'est ça qui fait que la richesse de ce métier, de ce travail. Pour les personnes qui souhaiteraient être auxiliaires dans les crèches dans la ville de Créteil, vous serez les bienvenus chez nous.